La cérémonie des Césars démarre dans un peu plus d'une heure. Oui, on va parler dans un instant de ce qui devrait se passer à l'intérieur de l'Olympia. Mais c'est d'abord devant la salle que je veux vous emmener. Une manifestation y a débuté à 19h à l'initiative de la CGT Spectacle pour dénoncer le silence du milieu du cinéma sur les affaires de violences sexuelles. Je pensais que c'était très important de réagir, en fait, notamment en soutien à toutes les personnes qui ont pris la parole ces derniers temps. En fait, ce qui sidère, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ferment les yeux, font comme si rien n'était, et les personnes continuent à tourner. On appelle, nous, à se mobiliser à la fois ce soir et le 8 mars. Propos recueillis par Audrey Payas. La CGT n'a pas été autorisée à s'exprimer pendant la cérémonie, mais le sujet va, c'est certain, être abordé. Depuis des semaines, les affaires se multiplient, qu'elles concernent des acteurs comme Gérard Depardieu et Philippe Cobert, ou des réalisateurs comme Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Tous les deux sont mis en cause par l'actrice Judith Godrèche. Sauf surprise de dernière minute, elle sera sur scène tout à l'heure. Regardez ce qu'elle a posté un petit peu plus tôt sur son compte Instagram. Une image du film de Doyon, La fille de 15 ans, assortie de cette légende. Ce n'était pas nécessaire que je sois torse nu, pas nécessaire de me ploter, pas nécessaire de refaire la prise. Encore et encore, je précise que Jacques Doyon annonçait hier qu'il portait plainte pour diffamation contre l'actrice Judith Godrèche, qui était sur ce plateau il y a 15 jours. Comment c'est possible que la société, à aucun endroit, pour moi, il y a une non-assistance à personne en danger, et il y a un système systémique, et il y a un système, et je parle du cinéma évidemment, mais de la société à une plus grande échelle, il y a un système qui écrase la parole des femmes. Raphaël Antoven, le cinéma français est en train de vivre son MeToo, est-ce que vous diriez enfin ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est très important. Ce qu'elle décrit est inouï. Ce qu'elle a décrit sur votre plateau et ailleurs est incroyable. C'est inouï. Puis c'est le phénomène d'emprise est un phénomène d'une complexité romanesque en tant que tel. Donc c'est très important. C'est très important d'en parler. Après, moi, je trouve que la présomption de culpabilité pose un problème terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctionner les gens avant qu'ils le soient. Vous avez vu le sondage récent là, qui dit que les Français disent qu'un réalisateur accusé, avant même d'être jugé, doit cesser toute activité. Oui, non, ça ne me convient pas. En fait, j'ai autant un problème avec les gens qui font valoir la présomption d'innocence devant les images de Depardieu. Comme si la présomption d'innocence devait nous empêcher de commenter les phrases de Depardieu. Comme si c'était attenter à la présomption d'innocence de dire ce type est dégueulasse, c'est pas des choses qu'on dit. Non, et j'ai un problème avec les gens qui pratiquent la présomption de culpabilité qui permet à n'importe qui de mettre n'importe qui en situation d'enfermement et de lapidation publique. Mais ces deux injonctions contradictoires, comment libérer la parole en respectant la présomption d'innocence ? Ce sont deux injonctions contradictoires, c'est une situation, ce qu'on appelle une situation tragique. C'est une aporie. Absolument, c'est une impasse. C'est une situation tragique, mais il faut assumer ces deux pans de la chose, c'est essentiel. Cela dit, des impasses, on en connaît plein. Hein. C'était la même chose tout à l'heure avec le gouvernement qui est entre les soulèvements de la terre et les agriculteurs. Les autorités russes menacent d'enterrer Alexeï Navalny dans sa prison. Ce sont les proches de l'ancien opposant russe qui l'ont annoncé cet après-midi. Sa porte-parole raconte même que la mère de Navalny a été appelée par un enquêteur qui lui a posé l'ultimatum suivant : un enterrement en catimini dans les 3 heures ou un enterrement dans sa colonie pénitentiaire. Elle a refusé de s'y plier et continue de demander des funérailles publiques. Вместо этого они шантажируют меня. Ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Hier, la veuve d'Alexeï Navalny, Yulia, et sa fille Dacha ont rencontré Joe Biden en Californie, à San Francisco, où il était en campagne pour sa réélection. La Maison-Blanche a publié ses deux photos. Le président américain, les mains jointes, entouré des deux femmes assises face à face, puis donnant la collade à la veuve de l'opposant russe. This morning, I had the honor of meeting with Alexei Navalny's wife and daughter. As to state the obvious, he was a man of incredible courage. One thing that was made clear to me is that Yolanda is going to continue the fight he had underway. So we're not letting up. Une rencontre d'autant plus symbolique que la veille, devant des donateurs californiens, Joe Biden avait qualifié Vladimir Poutine de son of a bitch. Fils de pute, selon la traduction recommandée hier par Bernard Guetta, c'était sur ce plateau, c'est pas moi qui l'ai dit. Le porte-parole du Kremlin a dénoncé des propos honteux, dignes d'un cow-boy hollywoodien. Poutine lui aussi a réagi, interrogé par la télévision russe. Он же не может мне сказать: Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог.
Мы понимаем, что, что там происходит внутри политической точки зрения. И это реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. Après avoir rencontré la famille de Navalny, Joe Biden a annoncé un nouveau train de sanctions contre des entités liées à Moscou, notamment dans les secteurs de la finance ou de la défense. Le gouvernement américain parle, je cite, de la tranche de sanctions la plus importante depuis le début de la guerre, dont ce sera demain le deuxième anniversaire. Une guerre qui semble partie pour durer, même si l'armée russe progresse, avec notamment la prise d'Avdivka samedi dernier. Même le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît une situation extrêmement difficile sur la ligne de front qui s'étire sur plus de 1000 km. On voit bien, avec cette carte publiée par le ministère des armées français, les 20% du territoire ukrainien actuellement occupé par les troupes russes. C'est donc dans ce contexte que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit en 2 ans. Les armes fournies à Kiev par les pays membres pourront être utilisées, y compris en dehors des frontières ukrainiennes. Et puis au-delà de la menace des armes, il y a la menace technologique. La Russie multiplie ce genre d'attaques, des manœuvres d'intimidation pour le ministre des Armées. Vous avez, au moment où on se parle, des tentatives de prise de contrôle de la part des Russes d'un certain nombre de patrouilles. Typiquement, il y a un mois, pour vous donner un exemple très concret, un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français en mer Noire, alors que nous étions dans une zone internationalement libre dans laquelle nous patrouillons. Voici la une de votre hebdomadaire, Raphaël Antoven, oui. Franc-Tireur. Vous titrez « Notre guerre oui. » au moment où l'on apprend que le soutien à l'Ukraine s'érode dans l'opinion. Oui. 58% aujourd'hui contre 82% il y a 2 ans, selon une enquête de l'IFOP. Est-ce que vous craignez qu'au fil des mois, ça soit de moins en moins « Notre guerre » précisément ? C'est un risque, oui, effectivement. On a insisté sur le fait que cette guerre nous concernait et qu'elle était déjà la nôtre, d'ailleurs, et que sur le terrain de l'information, sur le terrain de l'opinion, il fallait se battre pied à pied. Et puis que c'était notre guerre, parce que c'est une guerre tout simplement pour la défense de la démocratie. L'Ukraine est beaucoup plus vaste que l'Ukraine. L'Ukraine dit plus que l'Ukraine ici. C'est l'ensemble de la démocratie qu'il faut défendre. C'est l'ensemble, c'est un système qu'il s'agit de défendre ici. Et on a voulu titrer là-dessus et l'envisager sous tous les angles, donc d'un portrait de Vladimir Poutine à un éloge de Navalny en passant par un reportage à Kiev, essayer de raconter les choses autant que possible. Un mot sur Yulia Navalny qui a rencontré Joe Biden. Est-ce qu'elle va rassembler autour d'elle encore plus que le faisait je sais pas, mais ce qui est très important ici, c'est de défendre obstinément la mémoire de Navalny, parce que c'est en le défendant convenablement, c'est en préservant sa mémoire des attaques dont elle fait l'objet aujourd'hui, qu'il fera un fantôme de bonne qualité pour hanter Poutine. C'est-à-dire qu'on pourra constamment le brandir, opposer son image à Vladimir Poutine, opposer ses paroles aux paroles de Poutine, tant qu'il aura dans l'opinion publique mondiale le crédit qu'il a aujourd'hui. Et donc la guerre autour de l'image de Navalny est une guerre essentielle. Navalny est mort, mais l'image de Navalny est le porte-parole de la liberté. La liberté a son martyr, ils vont tout faire pour le décrédibiliser. C'est très important de le défendre, paradoxalement, de défendre le mort. Au passage, on s'habitue à des trucs dingues. Hein. Les insultes entre dirigeants de Russes et Américains. Brejnev, Mao Khrouchtchev, c'était pareil. Ta mère a été fécondée par un ours. Des choses comme ça. Qui a dit à quoi qui, entre Khrouchtchev et Mao, il faudrait vérifier. Mao Khrouchtchev, les Brejnev et Reagan ne s'insultaient pas. Non, Brejnev et Reagan se parlaient poliment. Et ils se parlaient poliment. Et s'ils étaient insultés de cette façon-là, le monde entier aurait tremblé. Brejnev et Reagan attendaient la guerre nucléaire. C'est vrai, mais ils attendaient que l'autre ait bu pour boire leur coupe de champagne. C'est dire l'abaissement quand même général du débat. D'une certaine façon, bah oui. On revient au sujet d'avant. On revient au sujet précédent. La participation d'Israël à l'Eurovision est de nouveau en suspens. Oui, alors qu'on pensait la faire régler. La semaine dernière, l'Union européenne de radio-télévision, l'organisateur du concours, avait refusé d'exclure Israël et sa candidate Eden Golan, malgré les nombreux appels d'artistes ou d'associations en Europe. Mais ça, c'était avant d'avoir entendu la chanson. Son titre, La pluie d'octobre, est une référence évidente aux attentats commis par le Hamas le 7 octobre. Dans les paroles qui ont en partie seulement fuité, on peut retenir le refrain « Je suis encore trempé par la pluie d'octobre, nous mourrons, mais l'amour ne mourra pas ». C'est cela qui dérange les organisateurs, parce que normalement, la politique n'est pas invitée sur la scène de l'Eurovision. Inquiétude au plus haut niveau en Israël. Miki Zohar, le ministre de la Culture, s'est fendu d'un tweet.
L'intention de disqualifier la chanson israélienne est scandaleuse. La pluie d'octobre est une chanson émouvante qui exprime les sentiments du pays, mais elle n'est pas politique. Réaction également dans les médias israéliens. Ici, une émission satirique qui parodie une chanson de l'Eurovision. Israël, 0 point. Voilà ce qui a été diffusé hier à la télévision israélienne. Raphaël, on te fait une question toute simple. Est-ce que vous comprenez les appels à l'exclusion d'Israël ? Non. Non, il n'y a aucune raison d'exclure Israël en quoi que ce soit. Israël est un État souverain qui se défend, qui est gouverné par quelqu'un dont on... Enfin, personnellement, je désapprouve la politique, dont mon journal désapprouve la politique, et on a travaillé maintes fois dessus. Mais enfin, de là à exclure, c'est la seule démocratie du Proche-Orient, c'est le seul endroit du monde, c'est le seul endroit du Proche-Orient où les Arabes ont le droit de critiquer leur gouvernement, d'afficher leur orientation sexuelle sans aller en prison. Donc, au contraire, il faudrait accueillir, célébrer, encourager... accueillir comme tout État cette démocratie et arrêter de faire peser sur elle une accusation, de faire un parallèle avec la Russie et l'Ukraine en expliquant que les Israéliens devraient défiler sans leur drapeau. Je trouve ça... Mais ça c'est pour les JO, parce que des voix ça c'est pour les JO, ça c'est pour les JO. Je trouve ça, cette entreprise vaine de légitimation de la propagande antisioniste par quantité de gens me paraît délétère et sans intérêt. C'est une initiative qu'on a trouvée assez formidable. Le photographe Yann Arthus-Bertrand qui fait poser les Français pour une sorte d'album de famille géant. Oui, pour faire le portrait de la France, une semaine par mois depuis déjà un an. Et jusqu'à la fin 2024, Yann Arthus-Bertrand installe son studio dans une ville différente à chaque fois. Il invite des habitants à venir comme ils sont, si j'ose dire. Le but est d'illustrer l'évolution de la société française, une sorte de recensement visuel mené avec le démographe et historien Hervé Lebras. Oriane Haas et Audrey Payas ont assisté à un shooting. On travaille de deux façons, on fait et lumière du jour et studio. On met pas le bras en l'air. Mets dans ta poche, carrément. Voilà, comme ça, tu poses comme ça, posé. L'idée, c'est de mettre du sang, mettre de la chair sur les chiffres de l'INSEE. J'ai envie de photographier des Français qui s'aiment, qui aiment leur métier. Les clitoris, vous rigolez, s'il vous plaît? T'imagines cette photo, on n'aurait jamais fait cette photo il y a 10 ans. C'est vraiment la France qui change, ça, je peux te dire. Moi qui ai fait des paysages toute ma vie, qui était à la recherche de la beauté, elle est là. C'est pas dans les paysages, elle est chez les gens. Et plus ça va, plus je préfère photographier des gens que des paysages. 15 000 personnes sont déjà venues se faire prendre en photo. Et vous l'avez entendu, Yann Arthus-Bertrand veut montrer toute la diversité des métiers en France. Il y en avait un qui lui échappait, les livreurs de repas. Eh bien, coup de chance, au moment où nos reporters étaient là, quelqu'un a eu la bonne idée de commander à manger. Tu t'appelles comment ? Abdullah. Abdullah, tu vas te mettre ici. Allez, tu tiens comme ça, bougez pas. Lumière du jour, on se tait, s'il vous plaît, on se concentre, on fait la photo. Un grand sourire, s'il te plaît, je veux voir tes dents. Un peu plus vers la lumière, comme ça. Tu me regardes, voilà. Tu me regardes. Ah, t'es un mannequin aujourd'hui. T'attendais pas à ça, hein ? Merci à toi. Eh, t'es beau, t'es chic. Eh, ah, comme t'es beau, là. À la base, j'étais là pour livrer un repas et au final, je me retrouve à faire du shooting. Franchement, c'était plutôt bien et je me sens très honoré. C'est nous qui sommes honorés, mon vieux. C'est des gens qui rendent service. C'est ça que j'avais de montrer, quoi. C'est ça qui est important. Des gens qui font, quoi. Et puis, dans sa galerie de portraits, il manquait à Yann Arthus-Bertrand des journalistes. Alors, en pleine interview, il a eu une idée. C'est de faire une très grande expo en 2025 avec 1000 photos. Qu'est-ce que c'est que d'être français aujourd'hui ? Tiens, regarde, je verrai une photo de vous parce que là, vous êtes tous les deux, vous êtes magnifiques, il y a une belle lumière. D'un coup, l'inspiration est venue. Et gars. Voilà le résultat. Oriane Haas, Audrey Payas, photographiée par l'auteur, mais c'est magnifique, par l'auteur de La Terre vue du ciel. Si vous aussi, vous souhaitez passer par son studio, toutes les infos sont sur son site internet. Bah, un philosophe, il a un philosophe en photo ? Je ne crois pas. Et un chef étoilé. Oui. Allez hop. Je montre pas mes dents, moi. Bon. Il a photographié les équipes d'Alain Ducasse. Ah, on enchaîne avec un record de précocité. Oui. 8 ans. 8 ans. Ce petit garçon a 8 ans. Et il est désormais le plus jeune joueur de l'histoire des échecs à avoir battu un maître de la discipline. Il est venu à bout du Polonais Jacek Stopa après 3 heures de jeu. Achwat Kaoshik, c'est son nom, est passionné d'échecs depuis ses 4 ans, entraîné quotidiennement par son père, qui lui fait mémoriser des suites de coups et des combinaisons. Achwat, you did this in the bus, right? While coming back from school, some time back. Okay, so do you remember the moves of the game, 415 from the start?
e4, e5, knight f3, knight e6, bishop e5. A6, bishop a4, knight f6, castle, knight takes e4, rook e1, knight f6, bishop h3, bishop h4, queen h5, 1-0. Queen h5 is the answer, is it? Okay.